Ouais. Ouais. Donc, allez. J'ai fait justice. Sur pénalty. Eric, bon, au-delà de la défaite de Hain, tu viens de nous apprendre quand même quelque chose que. Fait, pour moi, je pense que c'est préjudiciable au club. Je te laisse faire l'annonce. Non, par rapport à l'analyse du match, je pense que les joueurs ont fait une bonne première mi-temps. Puis après, en deuxième, on a eu un petit peu des concentrations comme un peu beaucoup depuis le début de saison. On est tombé contre une très belle équipe de Grenoble. Je trouve que c'est très solide, ça joue au ballon. Puis notre ancien latéral droit, Runa Demba, ça bouffe le couloir. C'est dommage, je suis vraiment déçu pour les joueurs. Sur un penalty, il y a Ben Bona qui fait le taf. Et puis après, on est encore dans ce penalty. Et puis on n'est pas concentré sur le coup de pied arrêté. On prend ce but. Derrière, on n'a pas la présence d'esprit de rester dans le match. Et on prend un but aussi sur une erreur de déconcentration. Sur une déconcentration. Donc voilà, aujourd'hui, après moi, mon cas, il passe après. Non, il passe pas après, quoi, c'est pas déconner. Non, je voulais d'abord remercier les joueurs, ce groupe de joueurs, parce que je leur ai demandé beaucoup. C'est pas facile d'évoluer dans un championnat où tout le monde est contre vous. L'arbitrage, la Fédé. Nous, la dernière fois qu'on a fait des fautes comme ça avec un pénalty, on a pris des rouges. Là, il n'y a pas eu de rouge. Voilà. Donc, c'est pas facile. Donc, je tenais à remercier les joueurs. Ensuite, je tenais à remercier le club, dont notamment le président Mingalon, qui m'a permis d'entraîner à ce niveau. Le directeur sportif Jamal Mohamed et bien sûr, M. Nasri. Et je remercie aussi mon staff. Moi, parce qu'ils m'ont supporté et je suis un petit peu casse-bonbon. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait partie de cette aventure. Pour moi, il est temps de souffler un petit peu. Après, dans un deuxième temps, peut-être prendre un autre rôle pour récupérer. Et notre rôle à cause de cela ? Non, je pense pas. Je pense pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait que 9 mois pleins. Je me suis régalé. J'ai eu beaucoup d'émotions. Ça a été très dur cette causerie aujourd'hui. Parce que c'était un petit peu la dernière ici. Voilà. C'est très dur pour moi ce début de saison parce que par rapport à mes diplômes, tout ça, je pouvais pas intervenir comme je voulais. Le club a pris des amendes par rapport à ça. Donc voilà, c'est un tout. Moi aujourd'hui, je voulais partir la tête haute. Bon, c'est raté. Voilà, j'espère que les joueurs vont se relever. J'espère que le club va faire une bonne saison. Et puis voilà. On peut te dire quand même que moi personnellement, je te regretterai parce que tu as toujours été un bon type. Tu étais capable, tu étais toujours disponible pour tout le monde. Honnêtement, je pense que c'est une perte pour Consola. C'est pas parce que tu es là que je te le dis. Ne dis pas non. Et je suis persuadé que le club où tu iras, je ne sais pas lequel, si tu as des vues déjà ou quoi que ce soit, ils feront une bonne affaire. Ah, René, tu... Dis-nous où tu vas. Non, je suis venu. Dis-nous où tu vas. Pour l'instant, je vais à ma maison. Voilà. Les clubs restent et les entraîneurs se succèdent. Aujourd'hui, le plus important, c'est ce blason-là. Voilà, moi, j'ai tout fait pour l'honorer. J'ai oublié quelqu'un. Je fais une grosse bise à Nico Uzay. Je le remercie énormément parce qu'il m'a permis de toucher à ce métier. C'est mon ami. Là, j'ai une très grosse pensée pour lui. J'espère que j'ai été digne du bébé qu'il m'a laissé. Je l'embrasse très très fort. Voilà. Moi aujourd'hui, comme je te le répète encore, ce début de saison a été très très dur parce que d'une, j'ai pas été accepté à cette fameuse formation pour passer mes diplômes. De deux, j'ai été un petit peu muselé.
Et que mon club prenne des amendes, ça me fait encore plus mal. Donc à un moment donné, il faut savoir prendre du recul. Et voilà, donc moi aujourd'hui, je suis très serein. Je suis très serein pour cette équipe. Voilà, il faut qu'ils arrivent à gommer ces erreurs de concentration et puis qu'ils gardent toujours une agressivité conséquente et un état d'esprit extraordinaire. Tu es tombé sur une belle équipe de Grenoble. Très belle équipe. Très belle équipe. Il faut l'avouer. Très belle équipe. Très belle équipe. Ouais, ouais. Et tu reviens à la cave d'être ravi de Grenoble. Bon, ouais, je viens de revoir le match de temps en temps, bien sûr. Et là, je vais te faire la bise pour la dernière fois en tant que coach. Allez. Pas de soucis.